Hey, salut tout le monde, c'est Speed Performance. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour, comme vous le voyez, un gameplay. Donc, on va y aller. Hop. Un gameplay sur Call of Duty Black Ops. Donc, en recherche et destruction sur radiation. Donc, comme vous pourrez le voir par la suite, ou comme vous pouvez voir dans le titre, j'ai un invité surprise. Donc, c'est Monsieur CBR44680 qui faisait cette partie avec moi. Donc vous allez voir que c'était ma première partie en recherche sur Call of. Et je suis vraiment un noob du snipe. Hein. Donc là je me fais piquer un kill. Donc je suis vraiment the noob au snipe. Donc je joue au PSG1 avec couteau de lancer, grenade flash. Je me rappelle plus les atouts que j'ai. J'ai chargeur amélioré, il me semble dessus. Donc comme vous pouvez le voir, là je vais faire mon premier kill. Donc je le vois headshot. Donc je tire un peu à côté, on va dire. Donc ce que j'aime bien sur PSG1, c'est qu'il n'y a pas de temps de rechargement entre les tirs. Donc c'est pratique pour ceux qui débutent au snipe. Cette vidéo, je ne sais pas encore comment je vais la nommer. Parce que j'ai déjà enregistré l'épisode 3 et 4. Donc qui sont sur mon ordinateur. J'ai plus qu'à les poster. Les gameplays numéro 2 et 3. Donc celle-là, je vais sûrement l'appeler, je sais pas, vidéo bonus, gameplay bonus avec en compagnie de Monsieur CBR44680. Quel bon titre. Et voilà ce que j'ai à vous dire. Donc je suis content de vous présenter cette vidéo car c'était mes débuts au snipe. Hein. C'est une de mes premières parties en recherche. Enfin c'était ma première partie en recherche, mais c'est une de mes premières parties au snipe, surtout avec le PSG1. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Les épisodes 3 et 4 sont sur mon ordinateur. Je n'ai plus qu'à les poster. Donc voilà. Comme vous le savez, l'épisode 3 et les épisodes 4 et 5 plutôt de Mario's Play. Donc la série sur Mario. Donc là vous voyez que je vais faire un autre kill. Voilà, nous parlons d'autre chose. L'épisode de Mario, l'épisode 5, il sera en compagnie de deux invités surprises que vous verrez quand l'épisode sera mis. Donc là je suis désolée si j'ai perdu un peu d'activité pendant cette semaine, mais déjà il y avait le brevet blanc et en plus de ça j'étais au Mans ce week-end, donc j'essaie de vous proposer un maximum de vidéos le week-end, sauf que vu que j'étais au Mans, bah j'ai pas bu, donc au circuit du Mans au Grand Prix MotoGP. Magnifique victoire du français, mais on n'est pas là pour ça. Donc là, je me fais tuer. On va passer sur Monsieur CBR44680. Mais où est-il? Attendez, je vais juste regarder où est-ce qu'il est. Ah, il est mort. Écoutez, c'est passionnant. On va se mettre sur lui. Donc, il a vu qu'il avait un avion espion. Il semble qu'il me fait une kill cam finale, lui. Il me semble, je ne m'appelle pas. Ça fait 4 jours qu'il est fait. Donc, je vous propose en mode studio, hein, bien sûr. Dites-moi si vous voulez. Maintenant les gameplays, dites-moi déjà oui si vous voulez des gameplays au snipe un peu plus. Qu'à l'arme plutôt. Et donc voilà. Non, non, il se fait tuer. Il est là. Non. Et donc voilà, des gameplays à l'arme. Donc maintenant je vais faire. Mes prochains gameplays sur Black Ops, je vais les faire au sniper. Où est-ce que je suis? C'est pas moi, non, c'est. Voilà, je suis. Donc voilà, mes prochains gameplays, je vais les faire au sniper. Donc, j'espère que vous avez vu ma vidéo sur. Ma double, donc OLS96A. Donc, j'ai un ami qui m'a demandé, Aymeric Lefebvre, qui te dédicace à toi, Aymeric, qui m'a demandé, donc voilà, marqueur, qui m'a demandé. Si je pouvais recommencer à faire des vidéos sur comment est-ce que ça s'appelle, Gran Turismo 5, parce qu'il aime ça, il préfère ça à Black Ops, c'est Mario. Donc bah, je lui ai dit que pas de problème, mais bon fallait que je tourne les vidéos et j'ai pas trop d'inspiration. Donc là je vais me faire tuer, je vois un mec qui passe. Donc je vous préviens tout de suite, hein, ce sera pas un score de ouf. Hein. Je fais du 2 de ratio, mais c'est vraiment pas un score. Hein. Vraiment pas un score terrible. Donc là je me fais tuer.
Donc j'ai détruit un R6D avec ma clé mort, j'imagine. Et là, je vais passer par la fenêtre et je l'aurais pas vu. Donc je pense que je m'amuse de faire. Voilà. Et parce que là, en fait, je regardais le tableau des scores. Donc je fais du 2-2, donc on va se mettre sur ce BR. Voilà. Donc je fais du 2-2. Donc c'est pas terrible. Donc c'est bien, mais il a fait une bonne partie. Il me semble qu'il fait du... Oh, on était avec une team. Bien joué, c'est bien. Donc on était avec la team X, GTX. Et nous, on était entre amis dans la team Elite. Donc 2-1. Donc il faisait du 2-1, je fais du 2-2. Donc les autres ils jouent à l'arme, donc c'est pas non plus une grande satisfaction de tuer des mecs à l'arme alors qu'ils jouent au sniper. Ah, il a vu. Non, je sais qu'il va le tuer, hein. Je vais pas trop mettre de suspense. Il va le tuer au sniper par la porte. Il l'a vu. Il se décale un peu. Hit marqueur. Il passe par la fenêtre. Bien joué à toi, CBR. Donc maintenant, alors ça c'est le truc qui casse tout. Voilà. Merci bien. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça s'est mis en pause? D'accord, excusez-moi de ce petit bug. Donc on est reparti, excusez-moi. Je suis vraiment désolé. Donc on est reparti, donc là ça va être pour la troisième manche. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est qu'il y en a un qui a envie. D'accord. Hop. Comme par hasard. Voilà. Ok, c'est bien, on vient de lancer notre Tomahawk. Donc là, on voyait point rouge sur la carte, donc je vais me précipiter dessus. Donc là, on sait jamais. Il me semble que j'en vois un passer après. Donc c'est bien. Se campe, on va dire. Donc là, bah voilà, ennemi facile. Donc là, je suis désolée d'avoir fait ça, mais il fallait que je le tue. C'était obligé pour pas faire un score de. Voilà, pour me souvenir en 36. Vous allez dire, ah, niveau 36, c'était trop une merde. Oui, bah écoutez, je viens d'avoir le jeu, donc. Mais bien sûr, j'y joue avant sur d'autres consoles, comme sur la Wii. Mais franchement, vous allez me dire, c'est peut-être normal. Mais sur la Wii, j'étais vraiment. Enfin, voilà, je faisais du 4,67 de ratio. Là, je vais mettre une tête à lui. Donc, je faisais du 4,67 de ratio. J'étais vraiment une bête, on va dire. Non, franchement, je jouais vachement bien. Et après ça, bah, je sais pas ce qui s'est passé. Quand j'ai commencé à jouer à Black Ops, bah, je sais pas, sur la PS3, bien sûr, j'ai eu, je sais pas, un souci. Je pensais que c'est peut-être aussi la sensibilité du jeu qui est pas du tout la même. Donc voilà, donc manche gagnée. 4 manches gagnées, donc fin de la partie. Avec un score de 4-2 pour moi-même et de 4-1 pour CBR. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas un score de malade mental, mais bon. Ça suffit pour gagner la partie. Donc sur ce, je vais vous dire à la prochaine. Et prenez soin de vous. Allez, à plus !